Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois, dites-nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Regardez comment nous avons rendu cet endroit. Et qu'on pensait encore le rendre un peu plus beau encore. Et on souhaitait que cette église soit belle à voir. Vous savez l'état que nous avons trouvé, Seigneur. Mais grande est ma surprise. C'est là-bas que j'ai appris que ce fut un autre pasteur de communauté que vous connaissez qui est venu proposer plus de l'argent que nous payons ici. Pour que nous puissions quitter. Alors que cet endroit, lorsqu'on l'a eu, c'était juste un chantier, on a achevé. On a fourni beaucoup d'efforts pour le rendre comme ça. J'imagine dans les 17 000 dollars que je dépense, que l'église a dépensé. Et Tonga est bon ici à peu près. Mais moi, la seule chose que je demande quand on nous rend notre argent parce qu'on n'a pas encore acheté. Parce que notre garantie là va nous aider à aller ailleurs. Pour garantir la biseau pour permettre biseau pour tout qui ne voulait pas et mon souci. Mais c'est un pasteur qui a préparé ses coups. Vous voyez, les gens sont tellement dits. Comment une église va combattre une autre église? C'est la raison que sensibilisons-nous pour acheter notre place. Continuons à investir. Écoutez, nous faisons que le défilé en justice, le défilé en tout moment, lui-même devait être, il devait passer au procès de lundi, il n'est pas venu, il envoie toujours des avocats. Alors que non, tout cela ne m'intéresse pas. Ce que moi j'ai, que l'église, on peut se sensibiliser. Admettons que demain nous quittons et que nous n'avons pas un endroit pour aller. Organisons-nous. Tirez dans vos ressources pour que nous puissions rester ensemble. Nous allons prier ensemble. Organisons. Votre contribution fera du bien. La contribution à biso est la malade mingi pour na on sala au dobaye sala. Et vous savez, le pasteur là, il a passé hier au parquet, il a dit ce prophète là, il n'est qu'un enfant, il ne perd absolument rien. Il est un pauvre, il n'a rien. On bat il a beaucoup d'argent. On bat le pasteur là qui a créé une injustice à l'objet que mon sacoli, on a dit que le fan d'Akuna en Dakwana, on a dit moi, on a dit que le côté, on a dit que le bélé. Je pense que c'est défini par de l'argent. La plus grande richesse de l'homme, ce n'est pas l'argent. La plus grande richesse, c'est d'hériter le royaume des cieux. Richesse à mon nez, merci Seigneur.
Merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois, dites-nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez.